Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et oui, c'est encore une vidéo challenge parce que oui, je veux me challenger, je veux lire des livres et surtout, c'est pour le challenge de ma copine Camille du compte Madame Errance. Je suppose que vous la connaissez tous et toutes, mais voilà, je suis trop contente. J'avais trop envie de faire cette petite vidéo pour, bah voilà, pour me constituer une petite palle pleine de couleurs. Et d'ailleurs je suis dans le thème de la vidéo puisque j'ai son petit t-shirt qu'elle a fait en collab avec Muse. Alors cette couleur est juste divine, le logo est trop beau, vraiment c'était trop, enfin c'est trop cool. D'ailleurs je me le suis recommandé en blanc, voilà, pour l'été. En plus c'est blanc et rouge avec, enfin les étoiles rouges je crois, il était trop beau donc je ne pouvais pas passer à côté, surtout que ils ne sont plus disponibles puisque c'était une collaboration qu'elle a faite avec Muse du 15 au 30 avril. Donc malheureusement à l'heure où vous verrez cette vidéo ils ne seront plus disponibles, mais voilà, en tout cas trop fière d'elle, ils sont trop beaux, donc encore bravo Camille pour cette collab. J'en profite aussi pour faire ma petite Et j'en profite également pour vous montrer du coup la bougie du challenge de cette année, puisque puisqu'on a refait une collaboration sur la boutique pour faire, donc là je l'ai allumé, pour faire une nouvelle bougie à la fleur d'oranger et à la vanille, et elle est juste divine. Vous avez également celle de l'édition 2022 que j'ai remis pour le temps du challenge toujours. Alors je ne l'ai pas parce que vous l'avez dévalisée. Faut que j'en refasse quelques-unes, mais voilà, vous pouvez la retrouver sur la boutique. Je voulais vous montrer ma grosse bougie là-bas mais j'ai pas envie de me lever mais elle est trop loin, donc bref, vous pouvez de toute façon tout retrouver dans la barre d'infos, je vous ai mis les liens, donc voilà, si vous voulez aller la commander sur ma boutique, c'est en barre d'infos. Et sur ce, eh ben, on va passer tout de suite au menu. Je vous mettrai également la vidéo, ou en tout cas le lien de la chaîne de Camille, dans la barre d'infos si vous voulez aller voir la vidéo de présentation. En tout cas, je me suis constituée une petite palle puisque j'ai également le Tarot Book Challenge en cours, donc j'avais pas trop envie de me surcharger de challenge, même si je pense que je vais le faire en mode chill, même le Tarot Book, vraiment chill. Je suis sûre que jusqu'au mois d'août, je vais lire des livres de ce challenge. C'est sûr, je vais encore vous mettre des templates sur Instagram en story. Au moins, j'aurai lu les livres qui me font envie, puisque c'est vraiment ça le but de ma palle. C'est des SP que je dois lire et des livres qui me font trop envie et que je n'ai pas encore sorti de ma palle. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un petit challenge que j'ai envie de me faire en été. En vrai, je suis sûre que quelqu'un l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Moi, c'était juste pour, voilà, pour sortir un peu mes vieux livres. Voilà, c'est surtout ça. Mes livres qui traînent dans ma palle, que j'ai acheté, genre Aura Squad, le tome 2, qui traîne depuis au moins 2 ans facile. Bref, plein de livres qui traînent dans ma palle et que j'ai envie de sortir. Et bah, peut-être que j'en profiterai avec l'été glacé, puisque je vois que j'ai quand même plein de trucs. Donc si vous ne connaissez pas le challenge de Nina Quill, je sais pas si elle le refera cette année, mais c'était vraiment très chouette. J'ai regardé, je me suis binge-watchée les éditions de l'année dernière et de l'année d'avant je crois, ou en tout cas je me suis binge-watché ces vlogs, et bref, sans plus tarder et sans plus de blabla, on va passer aux catégories. Alors la première catégorie c'est coquelicot, livre rouge ou livre feel good, doudou. Donc là je me suis pris Crescent City, que je n'ai pas pris, voilà, que je n'ai pas en main, je vais le chercher. Donc je me suis mis Crescent City puisqu'il est rouge et que je dois absolument le lire. D'ailleurs je l'ai commencé, puisque là on est le 2 ou 3. Donc je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu 200 pages et j'ai commencé à la noter, je suis trop contente. Voilà, je vous avais montré dans le vlog, mais voilà, j'ai même mis des petites illustrations qu'il faut que, voilà, faut que je continue à en mettre. Mais voilà, du coup j'ai commencé un peu mon annotation et tout. Pour être honnête, je l'avais lu en anglais, j'avais pas trop aimé.
Donc, je lui redonne une chance en français. Alors, je n'avais pas trop aimé dans le sens où, alors comme beaucoup disent, effectivement, il y a beaucoup d'enquêtes. Et en anglais, du coup, je ne comprenais absolument rien. Ou en tout cas, j'avais pas assez compris l'univers pour pouvoir bien me mettre dedans, en fait. Et là, ça passe mieux. Alors, le début, les 200 pages sont très longues, hein. Les premières 200 pages, on nous explique un peu l'univers. Voilà, il se passe ce qui se passe. Et moi, j'avoue, j'attends vraiment la romance. Donc, franchement, pour Crescent City, je mise tout sur la romance, même si je sais qu'il va y avoir beaucoup d'enquêtes. Mais voilà, j'avais vraiment envie de lui donner une deuxième chance en français. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je suis en train de lire Crescent City en ce moment. Enfin, j'ai envie de dire. Donc je ne vous refais pas un résumé de Crescent City puisque vous l'avez vu passer un peu partout. Mais voilà, on va être dans un monde de faé. Enfin, urban fantasy avec des faé et des anges. En gros, avec des ailes. Et voilà, il va y avoir toute une enquête sur le meurtre de quelqu'un, enfin d'une meute de loups et d'un personnage qu'on aimait bien finalement. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Je pense que de toute façon, vous avez dû vous faire spoiler des millions de fois sur cette saga. Mais voilà, on va avoir surtout beaucoup d'enquêtes. Et voilà, j'attends de lire la suite pour me faire un avis enfin final sur cette saga. En sachant que j'ai le tome 2 aussi qui te fait 1000 pages presque. Donc voilà, je pense que j'ai le temps de me faire un avis. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis, vous, sur Crescent City. Ça m'intéresse beaucoup pour comparer un peu voilà, et avoir enfin des avis positifs parce que j'en ai pas vu beaucoup, hein. Pour la deuxième catégorie, c'est Mimosa, Livre jaune et Amour secret solaire. Alors j'avoue que moi, mon challenge, c'était plutôt misé sur les couleurs. Même si en réalité, ça passe aussi pour le livre que j'ai choisi. Donc c'est un service presse que j'ai reçu il y a pas mal de temps quand même, des éditions City. Donc c'est Nous sommes les filles de Sparte de Claire Heywood. On va y suivre Hélène et Clytemnestre qui vont être malheureusement séparées et mariées de force à Agamemnon et Ménélas, des rois légendaires. Et du coup, on va les suivre un peu dans leur périple entre leurs amours et voilà leur quotidien. Et malheureusement, j'ai pas vu beaucoup d'avis positifs. Alors, comme d'habitude, moi j'aime bien me faire mon avis, mon propre avis avant de donner un avis. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le lire, surtout que j'aime bien tout ce qui est historique. Alors, un peu moins ce qui touche à la Rome antique, puisque je crois que j'ai trop fait de latin dans ma vie et du coup j'étais un peu dégoûtée. Mais voilà, j'aime bien le sujet qui est abordé. Il y a écrit 2 heures séparées, une passion interdite, la guerre de Troie sous le regard des femmes. Ça promet quand même pas mal de choses cool, donc j'espère quand même beaucoup aimer. Ensuite, pour la troisième catégorie, j'ai un petit peu galéré puisque c'est Jacinthe, Violet ou Royauté, Richesse. Et sur celui-là, j'ai trouvé un livre. Ah si, sinon celui-là, ça va. J'ai quand même réussi à trouver puisque j'ai sorti enfin un livre des éditions Hurlevent, donc c'est Des cendres sur ta main de Nora Lake. Voilà, qui me fait énormément envie. Moi, il y a juste 2 phrases qui m'ont... Voilà, je vais vous lire le résumé et vous allez me dire si vous allez être tenté ou pas. Mais moi, je suis sûre à 100% que vous allez être tenté. Angleterre, fin 19e, une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur, un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt, des amours scandaleuses, des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes, une partie d'échecs qui s'éternise. Donc moi, on me dit Angleterre, manoir, je suis là. Donc voilà, alors c'est pas trop de saison, mais voilà, j'avais trop envie. Et puis il faut quand même que je sorte un peu mes... En plus je l'avais précommandé donc il est dédicacé avec ce sublime marque-page. Et il faut quand même que je sorte un peu des livres de la maison d'édition d'Hurlevent de ma palle puisque j'achète toutes leurs sorties. Bon, j'en ai 3 en attente, donc là il va falloir quand même que je les lise. Et voilà, ça c'est dans ma palle. Quatrième catégorie, on part sur les hortensias avec vert ou un livre avec de l'espoir et de l'honnêteté. Là j'ai galéré, voilà. J'ai galéré et pour le coup j'ai mis un tome 2. Puisque vous inquiétez pas, le tome 1 est aussi dans ma palle. Mais j'ai mis le tome 2 de Aurora, donc la légende de l'oiseau de feu de Vashti Hardy. Aux éditions Ozu. Donc voilà, ils m'ont envoyé la trilogie il y a quand même un petit moment aussi en janvier.
je crois, donc il est temps que je les sorte vraiment de ma palle. Ça a l'air trop chouette. Manon de Manon's Readings a vraiment beaucoup aimé cette saga et voilà, à chaque fois que j'en parle, elle me dit mais oui, fonce, fonce. Et je n'ai toujours pas foncé, donc c'est le moment de foncer. Et du coup, je vais mettre dans la catégorie 6, dans bleuet, donc livre bleu ou livre solidarité, lien fort, amitié. Là, on est sur les deux catégories bleu et livre amitié, puisque donc les jumeaux Arthur et Maudie apprennent que leur père Ernest Brixton est décédé lors d'une expédition pour Polaris Sud. Et du coup ils ne veulent pas y croire et ils s'embarquent sur un dirigeable pour aller le retrouver. Et du coup on va suivre leur périple à bord de ce dirigeable et ça va être trop cool. Et bah voilà, après je pense qu'ils vont être sur un bateau. Et j'ai également le tome 3 qui est rouge, donc pourquoi pas me le sortir si j'ai fini Crescent City. Et si je suis bien embarquée dans l'histoire. Mais en tout cas c'est un jeunesse qui a l'air super chouette, donc j'ai trop hâte de le lire enfin. Donc on passe à la quatrième catégorie qui est Bignon, j'espère que je le dis bien, un livre orange ou avec un livre avec de la force et du courage. Et du coup pour celui-ci, donc j'avais pas de livre orange, même si les Crescent City et tout, mais j'avais pas envie de lire de grosses briques. Et j'avais très envie de sortir celui-ci de ma palle, donc L'Empire des Femmes de Cassandre Lambert, publié aux éditions Didier Jeunesse. D'ailleurs le tome 2 est sorti le mois dernier. Je pense que vous en avez entendu quand même pas mal parler, mais voilà, la phrase c'est « Les femmes dirigent et les hommes servent ». Voilà, moi il m'en faut pas plus pour mettre dans force et courage, puisque les femmes sont fortes et courageuses. Donc je vais lire ce livre et il me tarde beaucoup parce que il me fait très envie. Et bah voilà, ce sera lui, c'est sûr. Ensuite on passe à la septième catégorie qui est Poids de senteur, un livre rose ou sombre, duplicité, fourberie. Du coup j'ai préféré prendre un petit livre rose, donc une petite romance qui est Jamais plus de Colleen Hoover, publiée aux éditions Hugo Poche, qui traîne un peu dans ma palle. Je l'avais acheté en début d'année puisque j'avais vu que le tome 2 était sorti. J'ai vu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre et j'avais vraiment envie de me faire mon propre avis comme d'habitude. Je vais le mettre dans ma palle et puis de toute façon l'été j'aime beaucoup lire de la romance, même si je sais, je vous vois arriver, ce n'est pas de la romance ultra fun et ultra doudou, mais voilà, ça reste de la romance, ça reste un petit Hugo Poche qui va se lire super vite, mais dans cette palle, et puis en plus il y a des fleurs, donc je mériterais même un bonus, voilà. Et dans cette catégorie, j'ai mis deux livres, puisqu'il y en a un également qui me fait super envie, donc c'est Enchantment. Donc c'est Enchantement of Ravens, donc de Margaret Rogerson aux éditions Bing Bang. Que dire de plus, à part que ce livre est d'une beauté sans nom, et en plus il est vraiment rose, je vous prouve, parce que la couverture on dirait qu'il est orange, mais voilà, on peut pas faire plus rose que rose. Et, j'ai pas de résumé. J'avoue que celui-ci, j'ai pas envie de lire le résumé, j'ai envie de me lancer comme ça. Dites-moi par contre s'il faut lire Sorcery of Thorns avant, ou est-ce qu'on peut les lire indépendamment, puisque j'ai quand même un peu fait mes recherches. Et il me semble qu'on peut les lire indépendamment comme Vespertine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas ce sera dans ma palle. J'ai trop hâte de découvrir Margaret Rogerson parce que je n'ai même pas encore lu Vespertine. Nina Quill, oui parce que j'ai binge-watché donc forcément je n'ai qu'elle en tête, mais a beaucoup parlé de Sorcery of Thorns. Elle a dit que c'était vraiment une romantessie cool et presque coup de cœur pour elle. Vu qu'il est bleu, je pouvais pas le mettre dans cette catégorie, peut-être que je le rajouterai, mais en tout cas voilà, j'ai envie de découvrir celui-ci. Et ensuite on passe à la catégorie bonus qui est Tulipe Noire, donc un livre noir ou avec une grande histoire d'amour. Et là j'ai choisi pareil la couleur puisque j'ai décidé de sortir La Cité des Songes de Georgia Caldera, publié aux éditions J'ai lu. Voilà, que j'aime beaucoup trop Georgia Caldera, je crois que j'ai tous ses romans presque. Et j'aime beaucoup sa plume. Donc c'est l'autrice qui a écrit Les Larmes Rouges et Les Brumes de Cendre Lune. D'ailleurs je n'ai lu que le tome 1 des Brumes de Cendre Lune. Il faut vraiment que je continue cette saga parce qu'il y en a 3 tomes maintenant.
et les larmes rouges pareil. En fait je lis le tome 1 et je ne me comprends pas. Vraiment, je suis en train de m'auto-flageller. Encore un tome 1 a commencé, une saga, et ça avait l'air vraiment chouette. Et la petite pépine de ces éditions, c'est qu'il y a des petites illustrations et c'est vraiment trop cool. C'est très rare, mais voilà, c'est juste trop beau. Et en plus, c'est l'autrice qui les a dessinées, donc... Dans ce roman, la population est obligée de rester cloîtrée dans des tours royaumes puisque le monde a été détruit. Et 4 élus seraient capables, selon une légende, de retrouver la cité des songes dans laquelle du coup, la population pourrait mieux vivre. Et du coup, qui serait également un refuge pour échapper aux créatures des abîmes, puisque monde fracturé égale créature horrible qui sort des fractures. Voilà, en gros, c'est ça. On va suivre Auréa, chasseuse de la tour du printemps, et Rosarianne, fils du roi de la tour de givre, qui vont devoir s'allier pour trouver cette fameuse cité des songes. Et voilà, on va suivre une petite. Ça va être une petite fantasy, je pense, avec un peu de romance, un peu de sombre, voilà, comme l'univers de Turja Caldera. C'est toujours ça, c'est une romance, la fantasy, un univers sombre, des créatures, un Turja Caldera, génial. Voilà, donc on reste sur une petite palle, mais j'ai quand même hâte de lire tous ces livres qui soit traînent depuis un petit moment dans ma palle, soit viennent d'arriver et j'ai trop envie de les lire. N'hésitez pas vous à me dire si vous participez au challenge, peut-être me mettre le lien au moins si vous avez fait une vidéo de votre palle ou peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me dire également ce que vous prévoyez de lire, s'il y a des livres que j'ai mis dans ma palle et qui sont dans la vôtre également. N'hésitez pas également à me mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous tombez sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne et ça me soutient moi également. Ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je sais pas comment vous me supportez, mais bon. Voilà, comme quoi tout arrive. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas également, si vous passez par là et que vous n'avez pas trop le temps, à juste laisser un petit cœur sous cette vidéo. Ça me permettra de voir que vous êtes passé par là et ça me fait toujours autant plaisir. Je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.